Bonsoir et bienvenue à tout le monde. On se retrouve ce soir pour le jeudi de l'angoisse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. On s'était vu mardi, on avait terminé Somerville. Là, j'avais envie de commencer un nouveau jeu. Donc, on va commencer Vertigo d'Alfred Hitchcock. Alors, pour les plus vieux d'entre vous, c'est basé d'un film qui s'appelle Sueur froide en France, en français. Un très très bon film d'Alfred Hitchcock que je vous conseille, avec Cary Grant. C'est une histoire de meurtre et un peu d'enquête policière avec un petit côté un petit peu suspense. Et le vertigo, ça vient de vertige parce que le héros, donc Cary Grant, souffre de vertige. Et l'intrigue tourne autour de ça. Enfin, je vous spoil pas, je vous conseille vivement de regarder ce film. Ah, je n'ai rien regardé sur le jeu, donc je ne sais pas du tout si ça reprend du coup l'enquête, le film, la base de film, ou si c'est vraiment un nouveau scénario, mais basé sur cette peur du vide, quoi. Donc écoutez, c'est parti. J'espère que le jeu va fonctionner. Je ne l'ai pas testé. Enfin, peut-être que je fasse 2-3 réglages. On verra ça tout à l'heure. C'est parti. On le sarame un peu. Je regarderai un peu les réglages. Je pense que là on a un petit peu trop là. Même carrément trop. Pourtant, fenêtre et plein écran. Qualité. Hop. Tant pis, on va le jouer en low, c'est pas grave. Oh la vache. Ça galère, ça galère. Oh la vache. C'est pas gagné du tout, hein. Ça n'a pas l'air d'être un jeu qui consomme de ouf, c'est bizarre. Et du coup, on a des vieilles saccades un peu. Super. Papa!
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On court vers lui, on s'approche doucement, allez, on court. Non, papa, saute pas. Non! Ok, ça commence bien. Jenny. Oula, vas-y, fais pas le con, mec. Allez, du coup, là, voilà, on a l'effet vertigo qui était faire vivre ou mourir. Ah, mais là, on peut complètement finir le jeu direct, alors. Si je saute, on tente. Ok. Lâchez-moi! Ils sont dans la voiture. Jenny! J'ai tué ma famille. Faye! J'ai fait comme mon père. Lâchez-moi! Je suis comme lui. Bizarre le jeu. Il y a Hitchcock qui est caché au fond à droite. Hitchcock avait l'habitude d'ailleurs dans ses films de faire des caméos, il était souvent caché dedans, tout comme comment il s'appelle? Stan Lee dans les films de Marvel. Du coup voilà, on a eu le petit Hitchcock caché dans le public. Je sais pas si ça va suivre plusieurs personnes, comme là ça va suivre la manette là, le mec là qui a apparemment tué sa femme, qui a eu l'accident de voiture, qui aurait tué sa famille, il a failli sauter du pont tout comme son père. Salut mon ange, merci d'avoir rappelé aussi vite. C'est à propos d'un ancien client, un ami de Bixer, Ed Miller. Il affirme être responsable de la mort de sa fille. Ah si, c'est lié, d'accord. Il était au volant lorsque sa voiture a dégringolé d'une falaise. Il a ensuite essayé de se tuer. Il est hospitalisé depuis une semaine. Il ne peut même pas sortir de son lit à cause de vertige. Oh, et il était très déshydraté.
Il avait sûrement dû bien picoler. Robert, est-ce que tu pourrais... Je vais tout prendre en charge. Voyage, hôtel, dépenses. Mettre un petit peu le son un peu plus fort, hein, je pense. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose, je sais plus. Ah oui, le message qu'il lui disait, il lui disait que c'était un type là qui était responsable, qu'il fallait s'en occuper. Donc elle a pas demandé le docteur, qui avait souffert de vertige, et il disait justement qu'il avait tenté de mettre fin à ses jours. Justement, si on n'avait pas voulu sauter, est-ce que le message aurait été différent? Parce qu'il aurait dit, oh, il était désorienté. Je ne sais pas. Robert, tout ce que tu voudras. Si le jeu est vraiment bien, je m'amuserais Robert, peut-être à le refaire en tout faisant ce que d'autres tu choix. voudras. Si les choix ont un impact. Celui avec qui tout a commencé. Tout cas, sympa le doublage intégralement français. Ça va être sympa ça. Jamais son nom de ouf quand tu veux le jeu. Eh ben. Claire Miller, Docteur Lomas, Robert Carrigan m'a dit... Docteur Lomas, vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissante d'avoir ramené Ed à la maison. La voiture ressemble vachement à une Beetle. Los Angeles, ça fait une trotte. Quand pensez-vous arriver? Demain au début de matinée, si tout se passe bien. J'aimerais commencer au plus vite avec Ed. C'est la voix française de Whoopi Goldberg. Cool. Une doubleuse de qualité. En plus, il y a des bons doubleurs, c'est cool. Enchanté de faire votre connaissance, Ed. Je suis la docteur Lomas. Docteur, en quoi exactement, docteur ? Attends, donne ta main, voilà. J'ai une licence de psychologie de l'université de Berkeley, un master de psychothérapie systémique et familiale de l'université de Michigan. Pourquoi, Robert? Mais pourquoi? Et un doctorat de psychologie clinique de Stanford. Je vous offre un accès complet à mes souvenirs, mon trauma, ma chambre, mes troubles. Vous avez une heure. Ah, c'est la voix d'Iron Man. Robert Downey Jr. Ah ouais, bien le casting doublage. Ok.
Alors, vaincre la réticence de Fred, c'est quoi? Ah oui, je peux mettre pause. Ok. Je peux compatir, il est temps de se mettre au travail. Ok. Ok, l'urine noire, c'est peut-être pas top. Pantoufle. Faut compatir, je vois pas trop l'intérêt. Table de chevet. Ni livre, ni télécommande, ni tablette, ni téléphone. Comment occupe-t-il son temps? Quand les a-t-il portés pour la dernière fois? Si je souffrais de vertige et que j'étais obligée de me lever, je préférerais moi aussi sentir le froid du sol. Ah d'accord, compatir, c'est un peu scanner le truc. Ouais, par contre, du coup, bah, ils ont changé les positions. Peu de choses ébranlent l'amour-propre autant qu'une déficience d'autonomie afférente au système excrétoire. Pas étonnant qu'Ed soit dans cet état d'esprit. Pardonnez-moi d'insister, docteur Lennart, mais les vertiges, les nausées et les angoisses du patient, quel est leur déclencheur exactement? N'importe quoi, ne serait-ce que faire quelques pas. Là, dans la voix française de Kratos. Ok, donc on peut interroger, on peut... Alors si on se souvient, d'accord. Le patient ne montre aucun signe de lésion de l'oreille interne. Cela exclut donc toute cause physiologique. Il pourrait s'agir d'un cas d'acrophobie qui trouve ses origines dans l'épisode traumatique récent, comme vous l'avez suggéré. Au sujet de sa fille et de cette femme, sait-on quelque chose? Officiellement, Monsieur Miller n'a jamais eu d'enfant. Quant à cette femme, une certaine Faye, rien. Néanmoins, pour ce qui est de votre demande de le prendre en charge en dehors de l'hôpital... Il s'agit de mon patient, docteur. Le temps passe, docteur. Ah, donc le mec, il croit qu'il est responsable de la mort de sa fille et de sa femme. Mais d'après leur dossier, il n'y a rien. Ah. Ah, ah. Il est perdu. Il sait qu'il n'arrivera jamais à s'en remettre tout seul. Cela ne l'empêche pas de me percevoir comme une menace. À moins qu'il s'agisse de sa façon d'appeler à l'aide. À propos de ça... Droit au but, hein. Avec tous ces diplômes, je m'attendais à un peu plus de psychologie. J'ai besoin de personne pour me torcher si c'est ce que vous voulez savoir. Je préfère me sentir nauséeux que de donner la nausée. D'accord, ça c'est dit. Il a dit les termes. Ah oui. Ah oui, donc en plus on peut creuser le truc. Ah, c'est cool ça. Ces pantoufles sont un peu éloignées du lit, non? Quelle subtilité, docteur. Et si on parlait de vos genoux? Ok. Bon bah je crois qu'on a fait le tour. On va éplucher un peu, hein, on va mener l'enquête. Hein. Pouvons-nous commencer? Tic-tac, tic-tac, docteur. Ouais, c'est parti. Alors... Déjà, comment vous sentez? On va essayer de faire le gars bien. Comment vous sentez-vous en ce moment? Vraiment pas top. Un peu comme si quelqu'un s'était pointé pour verser du sel sur mes plaies. Vous voyez le genre? Si vous ne consentez à m'accorder qu'une heure, pourrait-on en tirer quelque chose de constructif? Pas top. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai perdu ma fille. Parce que j'ai tué deux personnes. Parce que tout le monde me prend pour un fou. Parce que je dois pisser dans une bouteille sortie d'un tableau de Dali. Parce que c'est totalement surréaliste. Parce que vous êtes là. Pas top. Résume suffisamment tout ça ou je continue? Ah oui, et en plus on peut react aux réponses. Petit mouvement de rire. Non, mais pas bougé. Je suis là pour vous aider. Bah voyons. Je me doute que l'argent n'a rien à voir dans l'affaire. Non. Combien vous paye Robert déjà?
Pourquoi pensez-vous que Robert Carrigan m'a demandé de vous voir? Parce qu'il est plein aux as? Qu'il se sent coupable? Ou qu'il s'ennuyait? Je vous croyais ami. Coupable de quoi? Qu'est-ce que ça change? Vous vous dites responsable de la mort de votre fille et de sa mère. Et vous refusez de me croire? Évidemment. Il n'existe aucun acte de naissance vous rattachant à une fille. Je ne l'avais pas encore reconnue officiellement. Tout est arrivé si vite. Apportez-moi une preuve de l'existence de cette femme, Faye. Que souhaitez-vous savoir? Que souhaitez-vous me dire? Ah, c'est bon. Est-ce que j'ai vaincu la réticence? Ça s'est barré. C'est il y a un an environ. Oh, petit flashback. Donc on va savoir d'où vient Faye et d'où vient sa fille. Je ne sais pas encore son nom, mais je crois qu'il ne l'a pas dit. Qui venait de la reconnaître. Donc oui, il n'est peut-être pas... Ouais. Peut-être pas de trace. Peut-être sa femme qui est revenue le voir avec la gosse et puis qui lui a dit « Écoute, tu es le père de cette fille. » Allez, on va voir. Petit flashback. Dans le passé. J'essayais de me remettre à écrire, avec l'angoisse de la page blanche depuis des années. Il m'est revenu un truc que j'avais improvisé dans une interview. Et avec nous aujourd'hui, pour parler des méthodes visant à réveiller notre créativité, nous accueillons Ed Miller, auteur de Face contre Terre, notre recommandation littéraire du mois. Ed, vous permettez que je vous appelle Ed? Bienvenue et toutes mes félicitations. Merci à vous. Surtout que je ne savais pas si vous acceptiez les pots de vin. Sympa ce caviar, hein? Alors, soyons clairs, il s'agit d'une blague. Nous sommes sur une radio publique, ne l'oublions pas. C'est encore mieux. Personne ne nous écoute. Bon. Alors, Ed, avez-vous déjà été confronté à l'angoisse de la page blanche? En permanence. Et que faites-vous pour y faire face? Je me lance dans une sorte de... comment dire... d'échauffement. Si l'esprit ne veut pas démarrer, il faut commencer par faire démarrer le corps. Donc je laisse mes yeux chercher un point de départ. D'accord. Donc il faut qu'on surmonte l'angoisse de la page blanche. Du coup, il faut qu'on arrive à écrire un paragraphe. Je pense qu'on peut regarder les oiseaux, le pylône, les feuilles. Let's go. D'accord. Allez, on peut faire un point de départ là. Les oiseaux. Les arbres. Alors, en gros, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça. On peut faire dans... Je sais pas si on voit les saccades sur les ailes. Bon, ça va, sur le stream, ça a pas l'air d'être trop... Ça a pas l'air de trop saccader, je pense. Vraiment, ça saccade un petit peu chez moi. Qu'est-ce qu'on fait? Arbre, pylône, oiseau? Ouais. Lorsque mes yeux trouvent le mot, ça fait démarrer mes doigts. On va faire les arbres, pylônes, oiseaux. Je les laisse écrire ce qu'ils veulent après ce mot. Le truc, c'est de ne surtout pas penser. Il faut les laisser libres. Donc il a un PC Ubisoft. Ah oui, d'accord, on peut complètement écrire un truc. Tu as coupé l'arbre de famille, il était pourri de l'intérieur. Les vers en sont sortis et ont envahi notre maison. N'aurais-je trop arrosé cet arbre? Peut-être. N'aurais-je pas dû tant pleurer tout ce que j'ai perdu? Ce n'est pas la première fois que j'éprouve des remords suite à ce que je leur ai fait subir. Mais cela me soulage de penser que lorsque la marée de verre atteindra mon cou, ce sera la dernière. Sympa l'ambiance. Ah, il fallait pas suivre. Ah, d'accord, ouais, c'était juste le point de départ du paragraphe. Ok.
côte. Écrit un bouquin sur un arbre. Oh, le chat, il a faim ou quoi? On va lui donner à manger. Avec les QTE, ça fait un petit peu Heavy Rain, ça fait un peu jeu Quantic Dream. Quantic Dream. Voilà. Le chat qui saoule. On veut pas travailler en paix. C'est pas vrai. Du mal à trouver la config parfaite, hein, ce jeu. Synchronisation. C'est la 30. Fusion anti-crémelage. Moyen. Oh la vache. Ouais, j'ai l'impression que c'est la synchro verticale, hein, qui fait vraiment des... Parce que là, c'est dégueulasse. Voilà, non, c'est tombé, c'est pire. Oh là là, le jeu qui rend fou. Pas mal, pas génial, mais il y a quelque chose. C'est un début. Comment j'ai obtenu ton numéro. Écoute, j'aimerais bien qu'on se revoie. Oh, et j'ai perdu une boucle d'oreille. Si tu l'as... D'accord. J'arrive. Monette qui a perdu une boucle d'oreille. Tiens, je t'en donne encore. Une seconde, Samuel, j'arrive. S'il vous plaît, ouvrez-moi. S'en fout. D'abord le chat. Nourrir Petronius. Salut. Salut. Ça fait mal. On se connaît ? Ok. Moi, c'est Faye. Et vous ? Un écrivain.
Ok, monsieur l'écrivain. Maintenant, on se connaît. Vous pourriez m'aider? J'ai plus de batterie et c'est la seule maison dans les environs. Je suis pas médecin, mais ça m'a l'air moche. J'étais au beau milieu d'un truc, mais je vais vous appeler une ambulance. Je préférerais éviter. Je suis entre deux jobs, ni mutuelle ni argent. J'aurais surtout besoin de m'allonger, s'il vous plaît. Bon, d'ailleurs, on va jouer au docteur. Bien. Mais si vous saignez partout, vous nettoyez. Je peux m'appuyer sur vous ? En général, on pose la question avant de s'appuyer sur la personne. Aïe ! Mollo, doucement. Voilà, elle a trois égratignures à la jambe. Pas si vite. Le chat. Ne le prenez pas mal, mais ça irait plus vite si je vous portais. Je peux marcher, mais n'allez pas si vite. Ah ! Bon, ok. Portez-moi. Alors, je vais vous attraper par là, ok ? Et puis là. Ensuite, je vous soulèverai, ok ? Ouais, d'accord. C'est bon, ça vous va ? Oui, ça me va. C'est marrant le point de vue du chat. C'est parti. Ok. Hey, je suis si lourde que ça ? Il aurait peut-être fallu enlever votre sac à dos. Bizarre la situation. Ok. Je vais vous poser. Attendez, attendez. Laissez-moi enlever mon sac à dos. Maintenant ? Vous voulez que je me bousille le dos aussi ? Eh ben, comme ça, on ferait la paire. C'est bon. Je peux ? Vous pouvez. Vous permettez ? Je vous le permets. Ok. Enfin. Merci beaucoup. Ok. Ça va ? Bien installé ? Aussi bien que possible, vu les circonstances. Merci. C'était quoi votre nom déjà ? Écrivain. Je suis écrivain. Ah oui. Merci, monsieur l'écrivain. Je m'appelle monsieur l'écrivain. Si vous pouviez m'apporter un peu de glace. Donnez-moi votre téléphone. Je vais le recharger. Si, si, je vous assure. Ça me dérange pas. Ah, on va peut-être pouvoir fouiller le téléphone. J'ai garé ma voiture à l'entrée du parc forestier. J'y retournerai et je vous ficherai la paix dès que ma cheville aura désenflé. Ça vous va ? Ah, la glace pour recharger. Ah ouais, d'accord. Faut pas oublier qu'il faut aussi bosser. On va lui apporter de la glace et charger son téléphone. Qu'est-ce qu'on fait d'abord, glace ? Ouais, d'abord glace peut-être. Là, c'est la cuisine. On est quand même limité. Le chat. Bonjour le chat. Le vin ? Mais une bouteille différente. Ah non, on peut laisser visible. On peut se boire un petit coup de rouge après. Voilà. Ouais, là on est complètement en train de... gérer un plan drague là. Mec, il se croit sur Tinder, en fait. Jeter la poubelle. Quoi ?
Et je te signale que toi non plus, tu cuisines pas. Ah, c'est dommage, je ne fais pas compte les actions, elles mettent 15 ans avant de se lancer. Allez, hop, monsieur. QTE nettoyage. C'est bien. À la base, on voulait de la glace. Si vous pouviez m'apporter un peu de glace. Oui, c'est vrai que la meuf, elle abuse un peu. Elle abuse de notre hospitalité. Eh ben oui, je peux. Allez, direct. Oula. Doucement. Mais c'est tout doucement. Ah. Parfait. Ouais, on va chercher le téléphone. Ça fait mal ? La glace devrait endormir la douleur, et moi avec. Ah ouais, donc l'autre, elle vient, elle dort dans le canapé. N'aie pas de pensée étrange. Évitez que Faye pompe pas. Non mais attends. Là. Je vais mettre une petite couverture. Ah, c'est la couverture du chat. C'est un peu dégueulasse. Ouais, vas-y. Pour l'instant, on la connaît pas encore. Allez, une petite couverture qui gratte. Une couverture pleine de puces. Allez, dégage. Boost. Pas content, le chat. Ah, mais ça gratte. C'est dégueulasse. Succès, couverture. Ok, bon, maintenant on va charger le téléphone. Bon, ça, je laisse le jeu comme ça, je touche plus aucun réglage. Il y a des petits temps de chargement où ça galère, mais. Ah, tu vois, on peut consulter les messages. Est-ce qu'on fouille dans le téléphone ou est-ce qu'on charge? Est-ce qu'on fait le good guys? Je me tâte. Si on regarde les messages, on aura peut-être des petites infos utiles, mais c'est pas bien. Après le dos. Non, mais vas-y. On fait le good guy. Shaybud. On peut pas se faire tout beau, non. On peut pas aller aux toilettes, non. Non, on peut rien faire, non bah. Pas trop le choix. Alors, continuer à remettre plus tard, relire, s'installer pour travailler. On va relire notre truc, c'est bon. C'est bon. C'est validé. On va pas mettre un petit peu de musique. Ça, on voit directement les trucs. Voilà, ok. Quelqu'un souhaite renchérir? Souvenez-vous à qui il a appartenu? Il a dû beaucoup servir, compte tenu de leurs nombreuses dépressions.
35 000 de la part du gentleman à la barbe. J'ai dit 40. Personne. 35 000 une fois. 35 000 deux fois. Vendu. 35 000. C'est cher, ça. C'est cher. Monsieur l'écrivain, vous êtes là ? Je suis en haut, dans la mezzanine. Ah, je croyais que vous étiez parti. Eh, la glace semble avoir marché. Ma cheville a l'air comme neuve. Ah, vous guérissez rapidement. J'ai toujours été comme ça. Merci pour la couverture, au fait. Oh, c'était la moindre des choses. J'allais pas vous laisser mourir de froid. Pas possible, ça. Je ne meurs jamais. Oh, et puis bon, j'ai tendance à me réchauffer assez vite. Vous avez mangé ? Je suis morte de faim. La meuf, comme elle abuse. Vous voulez que je descende et que je vous prépare un truc ? Un truc ? J'adore ! Mais c'est un bon truc ? Non, un truc dégueu, pour être honnête. J'en ai l'eau à la bouche. Je vais plutôt me bricoler un truc moi-même, si ça vous dérange pas. Vas-y. Oh, la meuf qui pique l'incruste en plus. Vas-y, je me sers dans ton frigo, je vais me faire un truc à manger. Oh, elle abuse. Peut-être que t'as le frigo bien rempli, mec. Ah, mais là, tu vois, j'aurais pas aimé mettre un peu peur au rage. Donc là, il est dans un bon mood. Bon, j'ai peur. Ah, on est toujours sous le délire de Sandor. Ça va être un best-seller. Tu comprends rien ton bouquin. Ça me perturbe la tâche vous sur le t-shirt. Vous paraissez bien souriant. J'interromps un moment particulier. C'est quoi cette tenue ? Hein ? Du porno ? Un truc ? Du porno. C'est quelque chose que je suis en train d'écrire. Un écrivain qui écrit. Qu'est-ce que vous écrivez, monsieur l'écrivain ? J'en peux plus de la tâche sur le t-shirt blanc, là. Alors, on peut pas faire une joke sur le bouquin. Mais allez, on va dire qu'on va la... Si je vous le disais, je serais forcé de vous tuer. Tenez, ça vous délira peut-être un peu la langue. Disons que c'est ma façon de vous remercier. Avec mon vin. La meuf qui te remercie avec son propre vin. J'ai bien fait de laisser la bouteille en évidence. On trinque ? Il va se passer des choses. Ouais, on est d'accord qu'elle a juste mis la chemise. Vous vous êtes promené avec ça dans votre sac ? Ça vient de votre cuisine.
Elle traînait dans un coin. En même temps, on l'avait mis pour qu'elle tombe dessus. Donc, piller la cuisine, ça va calmer le truc. Le bourmenter le sac, bah, c'est mytho. Moi qui ai cru que vous y connaissiez en vain. Alors qu'en réalité, on a fait ça pour qu'elle tombe dessus, clairement. Je l'avais laissée en évidence pour que vous la trouviez. Oh, hein ? Et je me suis fait avoir. Voilà. Désolé de vous le dire, mais oui. C'est la vérité. Vous faites le coup à toutes les randonneuses ? Ça fera la 8e cette semaine. Oh, quel culot ! Et maintenant ? Maintenant, on trinque. Les situations comme ça, ça n'arrive que dans les jeux vidéo. Ou alors, il faut être écrivain et habiter dans une maison isolée dans la forêt. Désirez-vous savoir autre chose ? Allez-y, je vous laisse jusqu'à la fin de mon verre. Plus la question sera indiscrète, plus la gorgée sera grande. Qu'est-ce qu'il y a sous la chemise ? Après, ouais, peut-être quel âge avez-vous ? Parce qu'avant de se lancer dans un truc... J'espère que ça ne jouera pas en ma défaveur, mais... Quel âge avez-vous ? 23 ans, la moitié de votre âge. Oh, j'ai l'air si vieux que ça. Celle-là, je n'y répondrai pas. Une moyenne gorgée. Oh, on va se bourrer la gueule en plus. Donc 23 ans, ok. Je ne vais pas tomber dans l'habituel travail ou étude, mais vous travaillez ? Vous êtes étudiante ? Ni l'un ni l'autre. Je viens d'obtenir mon diplôme. En ? Psychologie. Oh. Une petite gorgée. Mais elle ne nous pose pas de questions, donc nous on se bourre pas la gueule. Allez, il vous en reste encore une. Choisissez-la bien. Passons pour... Ah. Vous avez pris une chambre, ça je suppose que non. Qu'avez-vous prévu pour ce soir ? Souhaitez-vous passer la nuit ici ? Ah. Ah. On attaque dans le vif ou... On a prévu ce soir, je pense qu'elle avait rien prévu, dans le sens où elle s'est blessée et qu'elle a fini ici. Mais elle pourrait... Ouais, on pourrait savoir si elle est... Allez, vas-y. Quels sont vos projets pour ce soir ? Il commence à se faire tard. Petite musique romantique. Il est trop tard pour partir de chez vous. J'ai peur la nuit. J'ai cru qu'elle allait tout voir. J'ai un truc de prévu, mais si je vous le disais, je serais forcée de vous tuer. Vous me piquez mes propres mots aussi. Ah, c'est bien. Elle reprend les termes qu'on a choisis. Ah, il y a vraiment une implication dans les choix, là. Des mots. C'est donc à eux que vous les voulez. Perdu un bout de phrase. Il manque mon préféré. Le fils du corsaire rouge. D'Emilio Salgari, c'est bien ça ? Comment est-il mort ? Il s'est suicidé. Je vais m'inquiéter alors. Oh ! Celui-ci est en vie. Je suis sauvée. Vous aimez Ed Miller ? Ah, mais c'est nous. À vous entendre, ce n'est pas votre cas. C'est pas exactement ça. Entre moi et Steve, il y a une vieille histoire. Ah. Ah. Ah bon ? Et quel genre d'histoire ? Ok. Une fille. Une sale histoire. Ah. Bah là, il faut qu'on creuse. Il faut qu'on creuse en 3 FPS. Abuser, non. Vous êtes si fait du mal, non. Bah, si j'avais abusé d'elle, je m'en souviendrais quand même, non. C'est bien un malaise.
Pour les a-t-il piqué le pied? Ça peut être la joke. Allez. Oh, attendez, je sais. Il vous a piqué votre pinard. Je l'aurais pas laissé faire. Je devais avoir dans les 13 ans. J'étais obsédée par ce bouquin. Enfin, l'édition poche. J'avais appris qu'il faisait une séance de dédicace chez Rossmore Books. J'ai oula, fait oula. Semblant d'être malade pour sécher les cours, mais ça n'a pas marché. J'ai essayé de filer pendant un intercours, mais je me suis fait... 13 ans, j'espère juste qu'il lui a mis la cale ou lui a pas dédicacé son bouquin. J'espère juste que c'est pas pire que ça. Sinon, attention. Sinon, oula oula. J'ai couru comme une dératée après les cours, à tel point que je me suis foulée la cheville. Mais je suis quand même arrivée à temps. J'ai fait la queue et j'ai attendu. J'ai et attendu. Alors, il ne restait plus que 3 personnes devant moi. Ce vieux connard s'est pointé, son éditeur, je crois. Des cheveux blancs, un costard blanc. T'es encore là? Et l'interview à la radio, alors? Et il l'a emmené. Enfin, j'ai même pas pu voir son visage. Les punitions, la cheville, c'était rien à côté de la déception. Enfin bref, 13 ans, quoi. Mais ça, la cheville, c'est le karma, c'est ce que j'allais dire. Sauf que là, c'est encore bousillé la jambe. Du coup, là, elle n'a jamais vu son visage, ok. Pas de photo sur les 10 sur page. Après, c'est bizarre quand même, 13 ans. Ouais, bon, après, si elle s'est pas vraiment intéressée, parce que quand même, les auteurs, faut vraiment y aller pour pas savoir qui se cache derrière un bouquin. Quoi. On les voit quand même dans les... Bah, déjà en photo sur les bouquins, donc... Enfin. Vous n'avez vraiment jamais vu son visage? Il avait la tête baissée pendant ses dédicaces. Puis il y avait plein de gens devant moi. Et vous n'êtes jamais tombé sur une photo de lui? Sur le net, dans les journaux? Possible, mais je m'en souviens pas. Retournez-le. Non. Si, non. Non, si. 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 J'en peux plus de son t-shirt avec la tache. Vous m'avez dit dès le départ que vous étiez écrivain. Mais je vois que ça. Il faut vraiment que je voie ça de plus près. Petronius, combien de fois je t'ai dit? Je suis désolé. Votre cheville, ça va? Ça va aller. Je crois qu'il ne m'apprécie pas trop. Il a une dent contre toutes les filles. Il est assez possessif. Oh, vous recevez souvent la visite d'admiratrice? Bah là, après, Joker, parce que là, je sais pas. Je sais pas si on les fait d'habitude tout le temps rentrer. On connaît pas le personnage. Personne ne vient jamais dans le coin. À part mon voisin. C'est vrai que c'est un peu paumé ici. Ah, devrais-je verrouiller la porte et éteindre les lumières? Ou alors peut-être sortir un troisième verre? Enfin bref. J'ai 23 ans maintenant et rien n'a changé. Vous vous souvenez cette chanson que Buster chante à la fin du bouquin? Oui, c'est moi qui l'ai écrite. Vous avez fait la musique? C'est un roman et pas une partition. Moi, je l'ai faite. Quoi? Voilà, va chanter. Oh, allez, j'écoute. Allez, chantez-la. Allez. Sûrement pas. Chantez-la. Non, non. Allez. Chantez-la, 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 chantez-la. Alors, on pourrait lui dédicacer le bouquin, comme ça c'est fait. On se rattrape. Chantez, et je réparerai une erreur historique. Je vous dédicacerai l'édition reliée, avec la photo. The wretch in me
hates all that I am. The wretch in you hates all that you are. But when we are together, discretos, je me rapproche pendant la chanson. That's the reason why we'll never part. Which goes to show just how wretched we are. Never meant to cause you any harm. Cause darling, you need no help with that. But it's so freaking funny to see how you destroy your life. Attention, quelle tension. Or in your case, to see how I wreck mine. Le petit QTE. What a waste it'd be if we didn't team up. Which goes to show just how wretched. Allez, tout bloqué, monsieur. Bisous, bisous. N'oublions pas que nous étions dans le flashback. Donc voilà, on a fait la rencontre de Faye, la randonneuse blessée. Je crois qu'ils allaient danser. Ah ouais, non, carrément. Oh, il a été la ramener au lit et l'aborder. Bien entendu, ils n'ont rien fait. Hein. Parce qu'on est un gentleman. Ensuite, je ne pense pas avoir besoin de détailler ce qui s'est passé. Ah, alors si. C'est vous qui voyez. Ce sont vos souvenirs. C'est à vous de décider. Ok. Alors, non. Je refuse de satisfaire votre curiosité morbide. Il y a une chose que j'aimerais savoir. Vous souvenez-vous de la date ? Je ne sais même pas quel jour on est. Notre cerveau enregistre bien plus d'informations qu'on imagine. Regardez ici. Non. Vous cherchez à m'hypnotiser. Alors. S'il vous plaît. Robert était censé avoir engagé quelqu'un de sérieux. Vous pouvez fixer votre regard sur moi, mais une petite spirale, c'est trop pour vous. Remontons donc jusqu'à ce jour. Allez, tour de magie. Vous avez écrit un roman il y a quelques années, mais vous souffrez depuis de l'angoisse de la page blanche. Je regarde pas, sinon je vais être hypnotisé aussi. Vous regardez par la fenêtre de votre bureau. Les feuilles dansent dans le vent. Les oiseaux chantent dans le ciel. Vous tenez une tasse dans la main. Vous pouvez sentir sa chaleur. Résiste. Confortante. Vous regardez un arbre et soudain, une idée surgit. Ça reprend vraiment le truc. Hein. Votre chat vous interrompt. Voilà. Il la met à manger. Yes. Et lorsque vous descendez le nourrir, Faye arrive. Il y a quelqu'un à la porte. Oh, je suis hypnotisé. Bon, je regarde pas parce que ça me perturbe. C'est quoi, du coup, on va se retaper la scène, mais il faut qu'on trouve la date. Si on regarde le téléphone de Faye, on aura la date. À mon avis, ça va être un autre truc. Ou pas. Okay.
Seconde, Samuel, j'arrive. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Salut. Salut. Ah oui, on est vraiment en train de remonter le truc. C'est mal. Si vous pouviez m'apporter un peu de glace. Donnez-moi votre téléphone. Voilà. Je vais le recharger. Ah, je pense que c'est fait exprès. Tu appelles le téléphone pour avoir la date. Si, si, je vous assure. Ça me dérange pas. Cela n'est pas dans le flashback en lui-même, donc là je pense qu'il y a moyen. La voiture à l'entrée du parc forestier. J'y retournerai et je vous ficherai la paix dès que ma cheville aura désenflé. Ça vous va? Ok, non. Oh là, oh là, oh là, oh là, alors attends, ok. Ah là, on est en mode Batman. Hypnose. Maintenez LTRT pour avancer ou reculer dans le souvenir. Appuyez sur A lorsque vous atteignez une section importante afin d'analyser ce moment précis. Ah ouais, complètement. C'est cool. Donc là, on peut rien faire. Ouais, bon, après là, il nous montre ce qu'on doit scanner. Quoi. Là, je peux analyser quelque chose là ? Oula, c'est quoi ça? Déterminer la date d'exploration. Ok. Toi, fait véritable à propos de faillite. Ah, mais c'est clairement le téléphone. Mais là, comme du coup, on peut fouiller dans les. Ah, ça ramouille. Non, bah, les bouteilles de vin, non, ça sert à rien. Il fait quoi? Vous aimez boire? Du ah vin. Oui, d'accord. Mais jamais quand je suis seul. Pourquoi? Ça me donne l'air plus sympa que je le suis. 25%, d'accord, ouais, on peut vraiment scanner les trucs, c'est cool. Voilà, de toute façon, ici, c'est le chat. Ah, par contre, ce truc-là, il rame à fond. Votre chat s'appelle Petronius? Tout à fait. Mais je le surnomme souvent Pète-Noix. Et il aime le soda au gingembre, comme celui d'une porte sur l'été? Moi aussi, je lis. D'où vient-il? Un cadeau de tante Claire. Peu de temps après que j'ai emménagé ici. Pour que tu te sentes moins seule. Alors que c'était précisément ce que vous recherchiez. Pourquoi ne l'ai-je pas vu dans la maison? Il va disparaître. Quand? Je ne sais pas encore. Il va disparaître, le chat? C'est bizarre de dire ça. D'autres animaux? Je ne voulais même pas de Petronius. Mais je n'ai pas pu dire non. Ok, 50%. Alors là, il y aurait deux trucs encore à analyser, alors. On a plusieurs trucs à se faire sur nous-mêmes. Attends, je peux pas sortir. Hein. Non. Ouais, c'est dans des zones un peu cloisonnées, ok. Vous avez mentionné un certain Samuel. Un ami, un voisin? Il habite à 5 minutes en voiture. De l'autre côté du bois, avec sa femme. Ah, mais attends, est-ce qu'on a... 75%? Ah, mais c'est tout. D'accord, mais zéro secondaire. D'accord. Ah, mais non, mais j'aurais dû mettre pause après. Parce que là, j'ai pas le téléphone, du coup.
Attendra que... Wrong location, ok. Autocar. Comment s'est-elle fait ça? Donc le fait véritable, c'est qu'elle a vraiment une voiture de location. D'accord. Bah, 500. Ouais, mais c'est... Bah, c'est là que j'aurais bien aimé. Quand elle donne le téléphone. Parce qu'on n'a pas, on a pas d'infos de l'heure. Bon, 100%, 100%, quoi. Petit succès, peut-être. Alors, attends, il peut nous avoir utilisé RB1 pour basculer entre les souvenirs. Appuyez sur Y pour revenir à un souvenir ou X pour l'analyser. D'accord. Ah. Donc là, on l'a fait à 100%, on peut l'analyser. On peut revivre le truc de séduction. Parce que j'ai peur que ça passe, que ça fasse enchaîner le truc. Non, tu sais quoi, on va fouiller un peu le truc de séduction. On va essayer de faire le 100% sur les enquêtes. C'est sympa le système là. Du coup, ça alterne un peu. Quand il va falloir vraiment que j'investisse dans de la RAM et que je libère un peu de la place dans mon PC, parce que là, les temps de chargement ils sont powerful. Ok. Petit verre, petit verre. Disons que c'est ma façon de vous remercier. On trinque ? Je viens d'obtenir mon diplôme. Psychologie. Oh. C'est vrai qu'au début on a le souvenir et après on peut le se scroller à l'intérieur. On va attendre. Dommage qu'on puisse pas. Non, on peut rien faire, on peut pas le placer. Dommage. Ah, ça va, c'est pas des longs souvenirs non plus. Donc on a un séduction, on a un principal et un secondaire. 8 tu. Ah, du coup, ça bloque vraiment au moment. D'accord. C'est parti. Pourquoi la psychologie vous rebute-t-elle à ce point? Sans ma tante, je serais mort depuis longtemps. Expliquez-vous. Ah, le téléphone portable. Ah, il l'a pas chopé. Votre portable est-il allumé? Yes, la date. Oui. 8 octobre, 9h38. Quelle date est affichée à l'écran? Bingo, on a la date. Le 8 octobre. Après toutes ces années bloquées devant une page blanche, qu'avez-vous ressenti en vous remettant à écrire? De l'optimisme, de la peur. Continuerez-vous à développer votre idée? On verra. 100% secondaire, ok, donc ça c'est fait. Alors il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est peut-être le bouquin, le divan. Apparemment, c'est le divan. Vous l'avez acheté dans une vente aux enchères, c'est bien ça? À qui a-t-il appartenu? À la première garçonne américaine, comme disait F. Scott. Zelda Fitzgerald? Et à son mari. Je me doute que vous êtes au courant qu'ils ont tous deux fini internés.
Il était alcoolique. Mort de tuberculose. Elle était schizophrène. Morte dans l'incendie de son asile. Je vois. Merci. Sans bonsoir, yes. On a tout trouvé. D'accord. Du coup, là, on les a scannés. Maintenant, on peut analyser ça. On va déjà analyser celui-là. Ah, ça remet le truc? Attends. Ah, revivre, ça met la vidéo, ça met le passage et analyser. On est en mode enquête. Ça nous met directement avec la barre de progression en fait. Ok. Non, moi je pensais qu'après on pouvait poser des questions sur ce qu'on avait vu. D'accord, c'est pas comme ça que ça marche. Allez, voilà, c'est ça. Donc là on est directement en mode. Ok. Lui, ça à la limite, tu peux faire quand t'as pas le 100% ou que t'as des nouveaux éléments, à mon avis. Je pense que le jeu fera qu'il faudra revenir peut-être pour avoir débloqué d'autres choses. Donc là, on a terminé, on a tout fait. Let's go. Posons les questions. Du coup, on a un élément sur Faye et on a la date. Tout va bien. Comme prévu. Vous me voyez vraiment désolé que votre petit tour de passe-passe n'ait pas fonctionné. Que si, ça a bien marché. Il fallait bien que j'essaye. Alors, c'est bon? Vous m'avez soigné, là? Ce n'est pas moi qui vais vous soigner. Non, c'est vous. Oh! J'ai eu le succès 1. Est-ce que ça voudrait dire que nous avons fini peut-être le premier chapitre? 1h15, bon. Avec les lags un peu entraînant, oui, une petite heure le chapitre, quoi. Bon, on va continuer un petit peu. Le sourire de la nourrice qui t'a arraché des bras de ta mère. Ton premier amour. Égaré dans une maison inconnue. Dans un lit inconnu, scrutant un corps inconnu. Les araignées en rang plongeant dans ton gosier béant. C'est qui elle? Oh, docteur, depuis quand vous êtes juste là? Juste à l'instant, de qui est ce poème? Oh, ça, j'aime improviser des vers quand je travaille. Oh, alors c'est donc de vous que Ed tient cette habitude? Ou alors de mon frère, son père. C'est un peu de famille. Et où se trouve son père? Où ai-je mis la sauce? Mon frère, son père. D'accord. Où avez-vous mis la sauce? Tiens, la sauce piquante. Elle est juste là. Je vous la donne. Oh, je vous en prie. Eddie adore le chili bien épicé.
Ah ouais. Il me demandait tout le temps de lui en préparer quand il était petit. Elle a mis la dose, hein. A-t-il passé beaucoup de temps avec vous ? Vous déjeunez avec moi ? Je mange généralement avec Ed. Mais il pourra bien manger tout seul pour une fois. En plus, j'ai assez de chili pour nourrir une armée. J'ai un petit estomac. J'apprécie votre invitation, mais mon estomac et la nourriture épicée ne font pas bon ménage. J'aurais besoin de prendre l'air. Bon, après, clairement, les deux choix faisaient en sorte qu'on ne mangeait pas, quoi. Donc là, je pense qu'il n'y avait pas moyen de taper l'incruste. Histoire de faire une petite pause et de pouvoir organiser mes notes. Allez donc voir la crique. C'est très ensoleillé à cette heure-ci. Je vais vous faire un sandwich. Un sandwich. Qu'avez-vous pensé de Ed ? Une sacrée tête de mule, pas vrai ? Marchera-t-il bientôt ? Il est encore trop tôt pour pouvoir avancer une hypothèse. Eh bien, j'imagine que l'important, c'est qu'il fasse ses exercices, n'est-ce pas ? Quels exercices ? Jambon, fromage, laitue, tomate et mayonnaise ? Salade, tomate, oignon, chef. Je suis vegan, je suis végétarienne, parfait. Non, vas-y, oui, je suis pas vegan, ça. Je suis pas végétarienne. Mais c'est marrant que le choix se pose. Oh, si j'ai réussi on peut jouer à une vegan. Sur pied la dernière fois, je suis sûre que vous, étant docteur... Le remettre sur pied, après quoi ? Ses vertiges. Des vertiges ? Oh, je vous assure qu'Eddie n'a jamais eu le vertige étant enfant. Ce ne serait pas digne d'un capitaine pirate. Vous voyez cet arbre ? À côté du transat. Il y avait une petite cabane dedans. Ed y passait quasiment tout son temps. Mon frère la lui avait construite. Et Eddie en avait fait son bateau pirate. Il ne parlait que de ça. Pirate par-ci, pirate par-là. Il était obsédé par les pirates depuis qu'il avait fait un roman de Salgari. Sa passion pour les pirates était aussi une passion pour la lecture. Ce qui a fini par en faire un écrivain, vous voyez ? Mystère résolu. Pardonnez-moi d'insister, mais... Où sont ses parents ? Ne tardez pas, docteur. Ouh. Ou vous n'aurez pas le temps de manger votre sandwich. T'es trop gentil pour être honnête, toi. Tu réponds pas aux questions. Mmh. Alors, on peut relire les notes, on peut déjeuner, on peut se détendre dans la session, on peut chercher un coin agréable et respirer, faire de la méditation. C'est parti. Là, je vais prendre une chaise. On peut pas, ok. Ça sert à rien d'aller là, c'est génial. Voilà, on peut clairement se mettre là. On peut peut-être aller au bord. Ouais, je pense. Il faut commencer par ramasser un caillou. Celui-là ? Julia, chérie, c'est la plus belle pierre à ricocher que j'ai jamais vue. Allez, on fait des ricochets, let's go. Alors, rappelle-toi bien, genoux pliés, popotin sorti, bras en arrière, poignets souples, doigts assurés, la pierre bien parallèle au sol.
regarde bien l'eau, un léger coup de poignet et la pierre rebondit. Un léger coup de poignet et... C'est pas grave, je suis sûre que ça marchera mieux la prochaine fois. Et plouf. Succès pierre, ok, on se fait le petit flashback du pierre. Bon bah allez, on va se prélasse, hein. Manger le casse-croûte. Ça se trouve, la vieille, elle nous l'a fait hyper épicée juste pour que je mange. Par méchanceté. Non, même pas, elle mange en... pas sur la tablette, hein. Même c'est dégueulasse. Y'a pas tout salé à la tablette. On a le téléphone. La tablette, tu parles d'un robot. Déconnecte-toi. Sandwich. Manger. C'est bon, hein. Attends, est-ce qu'on pouvait appeler Robert? Salut Robert. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Ah. Ah bah attends, du coup il n'est pas disponible ou pas attribué? Elle n'a même pas eu un répondeur en fait, elle a eu... Ça n'a pas de choix. Aide et récalcitrant, voire hostile envers la thérapie. Pourquoi ? Claire le manipule, là, c'est possible. Donc Claire, c'est la daronne. Là. Il refuse de voir la vérité. Ben, ouais. Là, la feuille, apparemment, elle existe bien, hein, vu le flashback qu'on s'est tapé quand même. Il ment délibérément. Il peur de perdre la boue. Je dirais qu'il a peur de perdre la boue. Il doute de lui-même, de ce qu'il a vu et de sa propre santé mentale. Je n'avais jamais vu un cas de vertige aussi intense. Là, c'est marrant, on fait une petite synthèse de ce qu'on a parcouru dans le chapitre. Le vertige. Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il ment? Il ne l'avait pas étant jeune. Est-ce qu'il l'exagère? Moi, je pense. Ce ne serait pas le premier écrivain que je croise à exagérer ses symptômes pour attirer l'attention sur lui, inciter à la pitié, rendre les choses plus réelles pour son esprit si accoutumé à la fiction. Alors, existe-t-elle vraiment? Alors ça... Si ça se trouve, c'est un personnage qu'il a inventé, hein. On se fait malmener avec une meuf qui n'existe pas. Le fantasme, en plus, là, dans le flashback, il a dormi avec elle. On va dire. Elle existe. Elle pourrait exister. Parce qu'après, son histoire, son anecdote, je sais pas. Allez, moi, je vais partir sur le fait qu'elle existe. Mais il y aura peut-être un twist. Il m'a donné trop de détails. Voilà. Des petites choses qui me paraissent cohérentes. Faye existe. Ou a existé.
Que penser de ce précédent cas de vertige et de ses parents? Quelque chose s'est produit dans son enfance. Mais Claire refuse de m'en parler. Peut-être que Robert pourrait m'en dire plus. Ou Ed lui-même, si j'arrive à briser les remparts qu'il a érigés. Je vais devoir essayer. Allez, on verra bien. Moi, je pars sur le fait que Faye existe. Ah, on peut accepter ou refuser. J'accepte. Alors, c'est qui? L'appareil. Docteur Lomas. Qui appelle en anonyme? Shérif. Ah, shérif. Docteur Lennart m'a donné votre numéro. Enchanté, shérif. Bon, je vous demande pas de briser la confidentialité patient-médecin, mais... si au cours de vos conversations avec Miller, vous appreniez... Une enquête est ouverte sur Ed? Est-il soupçonné de quelque chose? Pas exactement. Donc, si j'ai bien compris, Ed n'a commis aucun crime. Ça reste encore à déterminer. Me donnerez-vous un coup de main? Cela reste encore à déterminer. Ouais, pas sûr, sûr. Bien joué, docteur. Le moindre détail peut avoir son importance. Il faut voir qu'est-ce qui... c'est quoi le bail? Il veut savoir quoi sur le mec, le shérif? Peut-être des infos sur la feuille. Pour l'instant... Quand on sait pas encore la gamine. Non, c'est que la feuille... Moi, je pensais que c'était la mère de la gamine, mais là, elle a pas l'air d'être... Quelqu'un aura peut-être vu quelque chose. Ah. Bon, c'est encore une fois connu, ça. On rentre chez ses voisins. Les Franklin. Là, c'est la voix de Hellboy. Désolé, je dois vous laisser. Ou l'acteur, je sais plus comment il s'appelle. Il y a encore, Adam. Ron Perlman. Ron Perlman. Dis-moi que t'as lu mon mail avec les propositions de slogan. Ouais, il y en a des super. Et j'ai du mal à décider lequel je préfère. J'aime bien le sixième. Ouais. C'était lequel, déjà? Votez pour le shérif Reyes, l'enfoiré de Pipoteur qui aurait su qu'il n'y avait que trois slogans s'il avait lu mon mail. Adam, tu veux que je dise à ton oncle et ta tante que tu n'as aucun respect pour tes aînés? T'es déjà au ranch? Je suis en route. Si te demande, j'étais de service samedi soir. Ok? Ah ouais? J'ai fait l'impasse sur le dîner mensuel. Oh. Bonjour, Samuel. Savez-vous que votre neveu est un enfoiré de pipoteur? T'oseras pas. Bon. Je lirai ça quand j'aurai récupéré du réseau. Ok? Alors, moi je voulais la polizai. J'ai reçu des messages. Alors, ok. Déplacement, puis sur la tonalité pour que votre personnage se déplace plus vite. Alors, juste deux secondes, il faut que je réponde à un message. Tac, 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 tac. Ah, si, c'est bon, c'est en pause.
Voilà. Alors, petite réponse technique, je reviens tout de suite. Je vais profiter pour aller faire un petit pipi et je reviens. Voilà, c'est parti, on reprend. Let's go. Désolé.
Donc il visait maintenir shift pour courir avec Mister. Bon, je casse tout. Oh, disons, c'est un beau tracteur que vous avez là. Fais comme chez toi, mec. C'est vraiment le jeu où tout le monde est sans gêne. Entre l'autre qui vient piquer l'incruste, qui sert à rien et tout. Lui, il fouille dans le tracteur. Donc, à cheval, pièce d'échec en gris-gris. C'est noté. Je suppose qu'on peut aller là. J'ai bien envie de fouiller la grange. Si le jeu rame pas trop du cul. Je vais changer ma rame. J'espère que jeudi prochain, le jeu passera un petit peu mieux que ça. On le verra tout de suite. Ce sera le test de vérité. Musique de suspense alors qu'il n'y a rien. Samuel, vous êtes là? C'est moi, le shérif Reyes. Voilà Samuel et Esther Franklin. Et fouillez à la grange. Ok, on fouille. Oh là, le bestiau. Oh là, le bestiau, il est pas bien, là. Oh là. Il faut achever la bête, elle souffre. Putain, mais il est dans sa merde, le truc. C'est dégueulasse. Depuis combien de temps es-tu ici comme ça? Ah, c'est Kratos. Pauvre bête. Je viens en paix. Attends, on va te donner à manger. Ah bah non, forcément, t'as pas à manger. Forcément, faut que je te trouve à manger, mec. Ah, mais vas-y. Merde. Oui, bon, on a compris, il faut suivre le tuyau, ok. On a compris. Attends. Merde, mais c'est juste pour lui donner de l'eau. Ah oui, d'accord, il faut le nourrir et lui donner de l'eau. D'accord. La bouffe, elle est en haut.
je suppose. Adam, explique-moi pourquoi mon adjoint avait les cheveux bleus à la remise de son diplôme. Oh non. J'avais dit à tante Esther de se débarrasser de cette photo. J'avais fait un pari avec Marcello. Si je Marcello. Mon diplôme avant qu'il termine sa thèse, c'était mon gage. Tu l'as trouvé où? Je te le dirai plus tard. Là, je pensais qu'on allait peut-être prendre une botte de foin et la descendre pour récupérer pour le bestiau. Ah, on va prendre ça là. El famoso ballon de paille. Voilà, on va faire tomber, on va le récupérer. Ah oui d'accord, il fallait juste maintenir en bas, ouais ok. Un gant. Ouais, tu prends pas le gant. Ça servait qu'à ça le truc de paille. Je peux pas regarder le gant, ok. Attends, on peut aller encore plus haut que ça? Ah. Mais là, on va trouver le mec et on n'aura pas aidé le cheval. Non? Si? Mais là, si on monte sur le toit, jamais de la vie, on aide le cheval. Adam? Le grand arbre, dans le champ derrière la grange. Qui est enterré là? Oh. Mon cousin Léonard. Je l'ai pas connu. Ça remonte à quoi? 50 ans? Il est mort à la naissance. Ah oui, d'accord. Triste histoire. Merci. Pas cool du tout. Bon, je te rejoins bientôt. Là, ça lui a fait son après-midi, là. Bizarre qu'il ait autant réagi. Il a fait du react. Bon, ce qui m'embête, c'est que... Ce qui m'embête, c'est qu'on n'a pas... On a... Ah non, faut y aller à la grange purée, mais on n'a pas donné à manger au cheval. Ah non, je suis dégoûté. Ah bah, le gant numéro 2. Attends, il y a un gant là, il y a un gant sur la botte.
Ah, c'est bon, on ressort. Ok. Bon, par contre, on n'a pas trouvé comment donner à manger au cheval à Siasso, c'était juste en bas. Parce qu'ici, il n'y a clairement rien. Donc là, maintenant, on puisse faire le rapprochement avec le gant. Là, on peut rien checker. Ok. Donc, la bouffe du cheval est à l'extérieur. Faut aller sortir. Bah, non, si tu sors de la grange, à mon avis, ça skip le truc. Clairement. Non, là, il n'y a rien non plus. On a tout fouillage. Attends, là, on a loupé un truc avec le cheval. Parler à Samuel et à Franck, là, je pense que ça, c'est en allant dans la maison. Et des chevals, c'est le truc de la grange. Attends, là, il y a les silos à grains. Moins que... Ah, attends voir. Ouais, ok. Donc, pas ça. Ah, les fruits pourris là. Ah, ouais, les carottes. Les carottes pour les chevals. Petite carotte, mon ami. Oui, t'étouffe pas avec. Pas de balade dans l'immédiat. Tu peux reprendre des forces. Je vais lui redonner une carotte. Ah, du coup, je peux peut-être me balader avec une carotte en fait. C'est marrant ça. Je vais prendre une carotte et je vais aller voir Esther. Voilà. Voilà, on va prendre la carotte. Et nous allons voir nos amis. Parce que j'ai vraiment la carotte dans la main, on est d'accord. Hein. Hein? Attends. Ah, je suis obligé de lui donner la carotte pour partir. Je ne veux pas. Pestin. Ah, succès parce que je lui ai donné 3 carottes. Comment? De toute façon, je ne peux plus interagir avec les carottes maintenant. Je connais ce genre de jeu. Ok. Nick, tu me reçois? 5 sur 5, mec. Je te rappelle que tu as rendez-vous avec le maire dans une demi-heure. Eh, merde. Hé, hey, j'entends Frankie Lane. Il veut bien? J'ai l'impression que ton oncle ne prend pas très bien soin de lui. C'est vrai. C'est vrai? Le vieux est vraiment en train de perdre la boule. Tu seras de retour à temps. Il vaudrait mieux que tu y ailles à ma place. Encore? Enfoiré de pipoteur. Eh oui, on pipote. Hein. On va faire la séquence là. Adam, t'es censé aller à la pêche avec ton oncle ces jours-ci? Non. Pourquoi? Il me l'a plus proposé depuis que je leur ai parlé de Marcello. Non, c'était juste comme ça. Mm-hmm. Et pour être honnête, c'est peut-être pas plus mal. Ah, il va plus à la pêche avec son... Le petit... Son neveu. Il a laissé les clés sur le batteur. Le fer à cheval. Le tracteur, il y avait le cavalier.
Après, oui, ça se tient, vu que le mec il a des chevaux, en fait, il n'y a pas trop de surprises, quoi. Bon, allez, on va voir les vieux. Ah, si ça se trouve, ils sont même pas là. Et que le cheval, il était en train de crever. Bonjour. Personne. Tire la chevillette. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Attends. Madame, ton oncle et ta tante sont chez eux d'habitude à cette heure-ci? Mon oncle est sûrement dans la grange. Et si ma tante est pas là, c'est qu'elle est partie faire des courses. La personne. D'accord, on a l'autorisation. On sort les personnes dans la grange, hein. On a tout fouillé la grange. Bon, il y a un petit retard. Bon, allez. Oui, il continue à chercher dehors, c'est d'aller à la grange, ok. Non, mais je peux pas aller dedans en fait. Il a dit qu'on pouvait rentrer. Peut-être un succès spam de sonnette. Apparemment non, là ça fait quand même beaucoup de fois qu'on sonne. Petite DR pour la route, au cas où qu'il n'aurait pas entendu. Ouais, non, il n'y a pas de succès non plus. Ok. On va aller chercher à nouveau, ça nous fait abandonner le truc. Ok. Ouais, mais là, c'est chiant parce que. Non, parce que l'autre, il nous dit on peut rentrer, mais. Alors, attends, moi qui ai une autre porte. Non, on peut pas passer. Ah. Parce que le téléphone est branché. Mon Dieu, ça a été sectionné. On la capote. Regarde donc voir ça. Bizarre, bizarre. Ok, j'appuie mais je dis rien.